Je m'appelle Gabrielle et je joue du violoncelle. Et moi c'est Jean et je joue du violon. Je m'appelle Alice et je joue du ukulélé. Et je m'appelle Marie et je fais de la flûte traversière. Je m'appelle Charles et je joue de l'accordéon diatonique. Je m'appelle Emma et je joue du banjo. Moi c'est Étienne et je fais du violon. Je m'appelle Amandine et je joue de la vielle à roue. Je m'appelle Léonie et je joue de la cornemuse du centre. Je m'appelle Armand et je joue de la flûte. On est à Ruine en Margerie, dans le Cantal, et on fait un stage de musique. C'est un regroupement de plein d'ados pour faire de la musique, tous ensemble, trad. Si on joue de la musique, on mange et on prépare la fin de même, on passe du temps ensemble, on fait plein de jeux, de jeux de colo, quoi. C'est un peu comme une colo. Et puis on passe du temps ensemble et on discute. On vit aussi en collectivité, donc il y a tout un aspect où on fait des jeux, c'est comme une colo. Voilà, on prépare à manger. On mange, on dort, on boit. Déjà, il y a une bonne cohésion d'équipe, mais ça fait un peu sportif. Je vois en quelques jours, là, les nouveaux, ils sont hyper bien intégrés. C'est vraiment hyper sympa et aussi cet échange musical qui est aussi complètement magique, quoi. Moi je trouve ça fou, quand même. On coupe des oignons, ça aussi. C'est énervant. J'ai fait pleurer. Et je me dis pour les jeunes, c'est moi qui les ai coupés, c'était un état. C'est surtout qu'il y a une bonne ambiance, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc voilà, donc c'est la deuxième partie, ce qui va avec la musique trad en fait. Collectage, c'est d'aller voir des personnes qui ont un savoir, une connaissance en eux et de les collecter, c'est-à-dire de filmer, d'enregistrer. Alors souvent ça peut être dans la musique, mais ça peut être juste des informations, un savoir, des connaissances sur un sujet en particulier. Pour que ça puisse rester une trace de la mémoire de cette personne. C'est le fait d'aller voir des gens pour essayer de s'interroger sur une pratique ou un savoir qu'ils ont, et donc pour essayer qu'ils nous le transmettent, et en le filmant ou en l'enregistrant, voilà, de permettre de le garder et pour le diffuser après et le faire vivre, quoi.
c'est important pour garder les souvenirs du passé tout en avançant et puis pour, comme ça on peut recréer des nouvelles choses en fait. Puis ça peut nous servir aussi pour ne pas oublier cette musique et puis pour pouvoir s'en servir pour refaire autre chose et que ça tombe pas dans l'oubli. Et ça peut être aussi un moyen justement des personnes que l'on vient des personnes collectées de transmettre en fait leur héritage entre guillemets. Principalement du rap, très souvent du rap, et très peu traditionnel que j'enregistre sur le téléphone en fait. J'écoute surtout des musiques actuelles. C'est une musique actuelle, le rap. Oui, bah justement, c'est pour ça que j'ai introduit. Moi, comme musique, j'écoute un peu de tout, pas forcément que du trad, mais je peux varier dans tout ce qui est un peu rap français ou chansons françaises. Alors moi j'écoute pas beaucoup de musique, j'écoute surtout la radio, enfin à la maison on écoute France Inter, du coup j'écoute France Inter aussi, je trouve que c'est une super radio d'ailleurs. Moi j'aime bien Queen, un peu AC/DC, ce qui... voilà. Moi j'écoute beaucoup de musique traditionnelle d'Auvergne et de France disons, mais aussi beaucoup de musique trad du monde, j'aime beaucoup ça, et puis un peu tout ça veut tout et rien dire aussi, mais... Bah oui, de la pop, et du rock et du blues. J'aime beaucoup la musique du monde et j'aime beaucoup aussi la musique de rue, comme les fanfares ou les batucadas, tout ce qui est très rythmique et festif. Mais j'écoute pas trop, personnellement, quoi, pour moi, j'écoute pas trop de musique commerciale. C'est vraiment, pour le coup, ça, j'aime pas trop. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? J'ai écouté Skip James, qui est un gars qui fait du blues, quoi. De la musique de Suède aussi, du violon suédois. Le nom, c'est trop compliqué. Celui-là, je ne saurais pas dire le nom, mais c'est un gars qui fait du violon, qui c'est trop cool. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé par l'accordéon, mais ça marchait pas trop, ça me plaisait pas trop. Et puis j'ai vu des banjoistes, quoi, et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai fait du banjo. Père a commencé à en jouer quand je devais avoir 5 ans à peu près. Et on était allé avant à Saint-Chartier aux rencontres des maîtres sonneurs. Et j'avais découvert ça en fait. Mes parents m'avaient demandé de choisir un CD. J'ai pris Avalanche et compagnie, où c'est que des cornemuses qui jouent en polyphonie. Et donc. Puis après j'ai voulu jouer de ça et puis mais je sais pas vraiment pourquoi, ça a toujours été ça quoi.
Je fais de l'accordéon, mais en fait au début je faisais de la batterie quand j'étais petit. Mais j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 5 ans. Mais en fait mon père avait un accordéon, un petit Hohner 2915, très métallique, qui ont un très beau son. Non, c'est pas vrai, je les aime bien quand même. Mais en fait il faisait partie d'un groupe folklorique dans le Gers. Et quand ce groupe en fait il s'est entre guillemets explosé, enfin l'association a arrêté, en fait il y avait un accordéon. Enfin, personne ne l'a pris, du coup mon père l'a pris, il l'a ramené à la maison. Et donc, quand je suis né, et bien plus tard, en fait, il y avait cet accordéon, et du coup, il me jouait des petits trucs des fois, du coup, j'aimais bien. Du coup, je pense que c'est venu de là. Bah, j'ai du violon parce que, déjà dans ma famille, beaucoup de personnes font du violon, et aussi, je trouve quand même, c'est un très bel instrument où on peut faire quand même beaucoup de choses dessus. Et vraiment, je voulais faire déjà des cordes, et le violon, c'est je trouve, celui qui a le plus de possibilités, et c'est celui qui a, je trouve, entre guillemets, le meilleur rôle. Non, j'ai choisi la vielle à roue parce que à la base je voulais faire du piano en école de musique et c'était un cursus très, enfin assez compliqué, il n'y avait pas de place, bref, pour des problèmes pratiques. À la base c'était pour ça et en fait au fur et à mesure je me suis mise à vraiment aimer ce son continu et les bourdons et je suis vraiment ouais, très touchée par la musique à bourdons. Et tout ce qui est très planant et rempli. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que j'aime bien la vielle, c'est que en fait, ça nous embarque tout de suite dans un univers du fait qu'il y a plein d'accompagnements avec la mélodie et qu'il y a une grosse recherche sur le son à faire avec. Pour moi, le trad, c'est une manière de jouer qui est super, super créative, surtout le travail de groupe ou le travail d'arrangement. En dehors de jouer la mélodie, on cherche aussi à la manière. Je peux recommencer. La musique traditionnelle, ça veut dire tout et plein de choses. C'est une musique qui a été transmise, qui vient de quelque part et qui résulte d'une tradition, quoi. C'est une sorte de musique qui a été, aussi on peut dire, modifiée au fil des générations, au fil des courants artistiques qui ont traversé les époques. Et maintenant, on peut dire que ça a abouti à un certain style de musique et qui est dansable. C'est aussi une musique qui se rattache à un certain territoire. Pour moi, la musique traditionnelle, c'est un peu un univers parallèle dans lequel je peux m'épanouir en dansant ou en jouant avec la famille ou les copains. Ben moi, pour moi, c'est tout nouveau, je viens de commencer et ça se passe plutôt bien. Thank you.
c'est un mec qui est dans le désert et il y a deux dunes. Et en fait, il entend de la cabrette. Alors d'un côté c'est une cabrette juste et de l'autre côté c'est une cabrette fausse. Sauf qu'il sait pas vers lequel aller. Mais comment il fait pour savoir vers lequel il se dirige finalement? La cabrette juste ou la cabrette fausse? Ça sent les vieux préjugés de Trade 2. Ah oui, ça sent les vieux préjugés de Trade 2. La cabrette fausse parce que la cabrette juste c'est un mirage. Eh oui.